Audio Jump. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tout le monde, bonjour mes élèves. On va attaquer la deuxième figure de style, c'est les figures de la substitution. Yani taoui, kan aoudou kelma wahda akhra lakin anda alaqa. Alors le premier cas c'est la métonymie. La métonymie, on ne nomme pas l'être ou l'objet, mais on utilise un autre nom, kan nakhdou smi wahda akhra, qui lui est proche, yani li qreba. Il s'agit de contenant ou sa cause, de son contenant ou de sa cause. Exemple, il y a le contenant ou le contenu. Voilà. Par exemple, je bois un verre. Normalement, je bois un verre. Ce n'est pas le verre que je bois, mais de l'eau. Ça, c'est la métonymie. Socrate a bu la mort, le verre de poisson, de poison. Donc, il a bu le poison. Ce n'est pas le verre. Voilà. Voilà un autre exemple de la métonymie, la salle applaudit, c'est pas la salle qui applaudit, mais les gens qui sont dans la salle. Voilà. Deuxième cas, deuxième point, c'est la synecdoque. La synecdoque, donc, on nomme, c'est une figure proche de la métonymie, mais la partie indique le tout. Par exemple, je demande ta main, c'est pas que je vais me marier avec la main, mais la main, c'est une partie du corps. Je vois les voiles au loin. Les voiles, normalement, partie du bateau. Troisième, c'est le périphrase. Périphrase, c'est le remplacement d'un nom par une phrase comme l'équipe nationale, par exemple, on le nomme les lions de l'Atlas. Voilà. Les lions de l'Atlas, donc, c'est une périphrase. Donc, les pays de cèdre, le Liban, c'est ça. Donc, les.